Dans l'épisode précédent. En ce jour, en ce lieu, par les pouvoirs que nous confère le Haut Conseil Jedi, moi le maître Jacqueris, accompagné du maître Rendal, nous vous faisons vous, maîtresse des ombres Louis Camuti, maître Jedi. C'est un honneur, maître. Salutations à vous. Vous pouvez déjà vous rendre devant la porte du Conseil. Bien, maître. Par contre, il y a des deltas qui tirent sur des TIE, hein, donc on peut se faire attaquer à n'importe quel moment. Allez vous mettre en position hauteur, les ombres s'il y en a, afin de sécuriser là en face. Kaldrin, venez avec moi. Je crois qu'on a le temps d'attendre là, mais on peut pas attendre en fait. Il y a des deltas qui tirent sur leur vaisseau, s'ils veulent nous attaquer maintenant, ils peuvent. Qu'est-ce que... Ouf. Oh là là, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Oh là là. Ah, ça arrive, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Venez, on va les contourner, venez. L'ombre, ça va? Ça va et toi? D'ailleurs, il faudra que je vous parle, mais plus tard, par rapport à un cadeau que j'ai reçu. Okay, okay. Je sais pas si vous dites quelque chose. Ah, je sais pas. Découvrez. Je vous connais bien, maître. Monsieur le garde, il y a deux personnes qui viennent de payer. Ils se nomment Ishtar et Erus. Ishtar, drôle de prénom. Excuse-moi, qui sont ces bouvres derrière vous? C'est ma première Padawan plutôt, et ce sera ma dernière Padawan. Hein. C'est... Après, je pense, moi, sincèrement, j'ai pris un Padawan. Mais vous n'avez jamais rompu le lien? Pour en avoir une autre. C'est un peu compliqué, c'est... Vous connaissez la grande ombre Nomi? Oui. Enfin, elle me dit quelque chose. Bah, disons qu'entre autres, c'est ma padawan, et du coup, je connais sa... Enfin, sa mère. Salutation. Ah, d'accord. Salutations. Vous avez pas l'impression de me déranger par hasard, Padawan? Vous êtes conscient que j'étais en mission d'espionnage là, mais vous êtes venu, je vous ai fait signe de partir et vous êtes resté. Désolé, madame. Non mais vous n'êtes pas obligé de vous prosterner, levez-vous. Oh, attention! Putain, c'est tellement stylé. Je sais que c'est un bug, mais regardez son casque, il a atterri ici et son corps là-bas. Ce qui fait qu'en fait, ça simule totalement la scène. Je vais prendre la hauteur pour éviter les embuscades. Ok, reçu. C'est qui là-haut? C'est un cobjule toujours. Non, c'est pas un cobjule. C'est tout sauf un cobjule. Ils vont y aller les Synercites ou pas? Oh, Et donc? Il se passe quoi d'ici? Notre ami sur notre droite a l'air de... apprécier le spectacle. Bon, par contre je vais aider mes camarades, hein, vous me permettez. Portez soldats, restez pas ici. Lorsque vous étiez avec moi, ça aurait été l'occasion de la neutraliser. Négatif. Négatif. C'est vous rigolez. On touche pas. Bah, on touche pas celle-là. Elle est... Vous croyez que c'est un dieu? C'est pas un dieu, hein. Venez, on recule. Il y a deux dards à l'intérieur, hein. Je sais que c'est... Oui, c'est mais pour... lorsque nous étions là-haut, on avait l'avantage. Ah, oui. La prochaine fois qu'on se retrouve dans une situation similaire, c'est-à-dire à deux contre un,
et qu'il s'agit d'un site très puissant dans la force, peu importe son titre, hein, qu'il soit seigneur ou membre du Conseil Noir, on n'est pas supposé le savoir de toute façon. Je croiserai les bras, chose que je fais rarement, et ça voudra dire de l'écraser et de le neutraliser. Et pas de sorte à totalement le neutraliser. Le neutraliser suffisamment pour qu'il ne puisse plus bouger et le capturer. Je comprends cet aspect stratégique, je le comprends totalement, maîtresse. Cependant, je ne vais pas l'attaquer. Ce n'est pas une menace, si elle ne fait rien. Pour ma part, je préfère ne pas oublier d'où nous venons et que nous sommes des Jedi. Et de par ce fait, attaquer n'est pas dans notre nature. Nous ne sommes pas des guerriers, nous sommes des défenseurs. Mais nous sommes en guerre, et malgré cet aspect-là, nous devons parfois trancher. Quand il s'agit de sujets bien trop importants, je pense qu'on ne devrait pas leur faire de cadeaux. Car c'est peut-être la seule opportunité que nous aurons de les arrêter. Dit comme cela, je sais très bien que la nature dangereuse des Dars est insatiable, je peux le comprendre. Et qu'ils ont déjà fait des mal à des millions, voire des milliards de personnes dans cette galaxie. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que, au final, ça reste des personnes qui ont tout de même une part de lumière. Elle existe tout de même, et nous pouvons toujours essayer d'en ramener quelques-uns. C'est du temps que nous perdons. Et ce temps perdu, bien c'est les citoyens et les peuples opprimés qui les subissent en premier lieu. Tant que la guerre ne sera pas terminée, des millions d'individus souffriront. Aïe aïe aïe. Viens avec moi, vite. Je l'extrais. Avant ça, je vais lui retirer son masque. Je vais commencer par des questions simples. Ton nom, pour commencer. Ouais, j'arrive. J'attends une réponse, la Jedi. Ton nom. Maître Vanna. Apparemment, elle a pas l'air décidée à répondre. Maître Vanna. T'as déjà entendu... Enfin, j'ai jamais entendu parler d'une Maître Vanna. C'est pas le Jedi qui négociait et qui envoyait ces personnes-là négocier à sa place, sur place. Et ouais mec, c'est moi. Ah ouais, c'est surprise. Ça n'existe pas. C'est marrant, votre voix me dit quelque chose. C'est marrant parce que je vous connais pas du tout. Ah oui, moi je vous connais très bien. Enchanté dans ce cas. Regardez-moi bien, vous savez vraiment pas qui je suis. Bon, apparemment une maîtresse Vanna existerait, mais l'info n'est pas sûre. Non, elle n'existe pas. Moi je sais qui vous êtes. Vous êtes sûr que vous êtes la maîtresse Vanna? Si je vous le dis. C'est vous en plus qui faites un peu trop la folle en ce moment. Vous étiez même venu chez les Sith, ensuite vous êtes reparti, vous étiez corrompu par Ishtar. Luna... C'est pas l'histoire avec Luna? Ah oui, oui, bien vu. J'avais oublié, elle. Ouais, non, mais ça le méta, il est flagrant. Non, c'est l'histoire avec Luna. Parce que la tenue, mais... le casque, ça me disait quelque chose. Je veux dire quelque chose, Loïse Camiotti. Vous avez intérêt à vite arrêter de jouer à la plume maligne, parce que je crois que ça va pas vraiment le faire entre nous. Surtout ce que vous avez fait à Ombre. Qu'est-ce qu'a fait cette Louise? Elle est répugnante, comme vous. Si je me trompe pas, Louise est aussi l'apprentie de Frost. N'est-ce pas, Louise? Seigneur, vous allez vous occuper de cette petite... conne. Jedi. Pose sa main sur la tête de la Jedi. Avec la force du rôle soit avec moi. Yes! Dans ta gueule, fils de pute! Comme prévu, j'ai du mal. De quoi? J'ai pas entendu avec ça. J'ai dit bravo! Malheureusement, je n'y arrive pas, c'est pas de ma faute, hein. C'est juste qu'elle a une très bonne protection derrière. Donc vous êtes nul. Ben non, maintenant t'auras peut-être une protection pour nous. Hein? Ou faut que je continue? Ah. Si je peux continuer sur les doigts. Peut-être que vous pourriez me poser une question. Jusque-là, j'ai répondu, non? Ah, eh bien... Ah, oui, effectivement. On va commencer par une question simple. Dans quelle sphère êtes-vous? Loi et justice. Bien. Qui est le dirigeant de cette sphère? Grand Maître Kubilai. Si je réponds faux à tout, ils vont voir que je mens. Parce que si je réponds vrai à certaines informations, ils peuvent pas penser que je mens forcément.
Tu es sûr? Ah! 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 Si je vous le dis... Bien, bien, bien. Vous avez peut-être encore un maître? Non. Mm-hmm. J'en ai eu un à l'époque, mais je suis maître Jedi. Ce maître qui était? Maître Kuro. Bien, à part vous, il y a eu des passages il y a pas longtemps, en tant que maître Jedi, ou maîtresse, ou même membre du conseil peut-être, ou grand maître, on sait jamais. Vous avez dit, mis à part moi, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas passé récemment. Le maître Louise est passé récemment. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, par contre. Si vous êtes convaincu que c'est ce que vous êtes, je vais pas réussir à vous faire changer d'avis. Oh, il m'énerve. Vous savez que vous allez très mal finir, hein. Sauf que je vais pas vous tuer rapidement comme ça. Je vais bien prendre le temps très lentement pour que vous souffriez et pour que vous regretterez vos paroles. Et croyez-moi que beaucoup de personnes ici savent de quoi je suis capable. Au lieu de dire des conneries depuis tout à l'heure, comme quoi déjà que votre maître est Kuro alors que normalement c'était Frost, déjà rien que ça, ça m'énerve. Vous cachez aussi votre identité, alors que je sais très bien que vous êtes Louise Camiotti, la sœur de Ombra Camiotti, et la fille de Atiens Camiotti. Vous voulez que je continue? Oh, mais vous pouvez continuer, je ne vais nulle part. Je vais la tuer. Par contre, la prochaine fois, t'éviteras de te foutre de la gueule d'une excellence. Ah. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ah, plutôt oui. C'est très bien intention qu'elle se fout de notre gueule. Ce que je tiens ici, c'est un poison qui peut vous causer douleur, paralysie, frénésie sanguinaire. Si vous répondez tranquillement aux questions, on évitera ceci le plus vite et pour le mieux. Dites-moi, est-ce que vous avez des projets individuels, des projets entre vous que vous préférez faire pour la République? Oui, un projet. Ah bah dites-moi. Eh bien, nous avons vu la présence d'un site très puissant dans la Force... Il y a de ça quelques temps sur Illum, qui était resté pacifique alors même que votre avant-poste était en train de se faire décimer. Vos hommes périssaient les uns après les autres, et les derniers survivants se faisaient embarquer et étaient menottés. Ce seigneur Sith, ou ce membre du Conseil Noir, je l'ignore, est resté en haut des montagnes ce jour-là. Il est resté passif alors même que l'Empire perdait une bataille. Et donc comme projet, je suis déjà allé voir le Conseil Jedi pour préparer un discours en public afin de étendre ce message au monde impérial. Qui était la personne concernée? Eh bien, elle ressemblait étrangement à la personne en face de moi. Même tête. Quelle personne? La femme. D'accord. Oh là là, continue à se foutre de notre gueule en plus. Je vais m'énerver, Louis. Ouf, je crois que je vais éternuer. Assume. Ah. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre qui puisse nous satisfaire? Laissons agir. Ah. Je suis haut là, non? Compte encore comme connerie. Table hausse. Vous avez un seau. C'est ce que je m'embrouille. Je crois que je vais vomir. Vous avez un seau. Je vais vous le mettre sur la tête. Je vais vous faire bouffer votre vomi. Bon, faites-moi un truc stylé pour ma vidéo là. Maintenant que je sais que je vais mourir. Mais pour un truc con en plus, Dovahkiin qui dit au Jedi de venir sur Illum. Donc il appelle Aizen. Aizen dit ok, je viens avec Louise, moi j'y vais. Et Armada de Sith, gros. Armada de Sith. Pourquoi la légende Vicro nous a dit d'aller sur Illum? Moi j'ai évité de marcher là parce qu'elle a dégueulé quand même. Allez, tu me suis. Alors là, pour vous expliquer, il y a les Sith qui demandent aux Jedi de venir depuis peut-être 10 minutes pour négocier. Il n'y a aucun Jedi qui vient si ce n'est un républicain avec son vaisseau. Du coup, on va voir ce qu'ils vont faire pour les négociations. Et donc là, si je me retourne, bah il y a tous les Sith quoi. Et il y a Ishtar prêt à me tuer. Stop. Salutations à vous. Quel bonjour. Qui est le plus haut gradé? Gérant de la diplomatie d'expansion, le Darstraval. Et à qui est Jonathan? Grand maître Kobilei. Gérant de la sphère de la loi et de la justice républicaine. Vous voulez peut-être parler au gérant de la diplomatie, vous aussi? Comme ça vous parlez entre vous. Bon petit 3 400 000 pour cette jeune maître Jedi. 3 400 000? C'est possible, oui.
Vous connaissez son nom. Elle est juste là, elle est juste elle là. Elle est en forme de ouf. Par contre, si vous voulez vraiment augmenter les prix, c'est bête pour les futures négociations, vous pensez au futur. Parfraval, venez voir. Dégage. Y'a qui derrière Loïd? Oh, qui c'est ça derrière? Cortès, à bientôt. Je vais te montrer ce qui nous est arrivé si tu trahis. On va attendre que la comète arrive. Tu comprends ce qui nous est arrivé? Qu'est-il? Bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Voilà pourquoi. Très bien. Nous sommes des Jedi. Qu'est-ce que cela signifie? Des convictions, des préceptes, un objectif, des idéaux. Nous nous battons pour une cause juste. Du moins, c'est ce que l'on espère. Parfois ce n'est pas évident. Vous serez très bientôt rappelés en salle de rassemblement. Rendre hommage une dernière fois à cette personne qui a foulé l'espace du temple durant bien des années. Qui a été là dans des moments de joie comme dans des moments de tristesse pour certains Jedi. Je pense que je n'ai pas besoin de vous énoncer de qui je parle. Cela est très clair à présent. Mes salutations à tous. En ce jour, si vous êtes réunis, c'est pour rendre hommage une dernière fois à la maîtresse Loïse. Dans bien des cas, la maîtresse Loïse, ou devrais-je dire l'ombre Loïse, m'a aidé. Elle fut là pour moi, dans les hauts comme dans les bas. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis rentré dans la sphère de la loi et de la justice, ça y est. Je l'ai vu sur le Locom, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de vous dire mes félicitations. Merci maître. J'ai vu sur son visage avant qu'elle rejoigne la force un visage qui exprimait de l'espoir, de la bonté, énormément de choses. Je ne pourrais pas réellement qualifier tous les atouts de la maîtresse Loïse comme le maître Jack Ayris. Nous lui avons fait confiance et elle a su nous rendre cette confiance avec ses actes et ses paroles. Malheureusement, la maîtresse Loïse a eu des antécédents avec les Sith, ce qui lui a valu une traque et malheureusement, les Sith étaient coriaces et l'ont récupéré avant nous. À vrai dire, j'ai peu connu Louis Camiotti. J'avais la fâcheuse tendance à lire son nom comme il se prononçait. Ombre Loise. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître Louis Camiotti. J'ai ensuite pu apprendre à la connaître un petit peu plus simplement, par tout simplement les histoires qu'il a pu avoir avec elle, mais aussi de nombreuses missions et ses compétences sur le terrain. Elle a toujours accompli ses missions, toujours fait en sorte de les accomplir. Et toujours fait en sorte de mériter ce qu'elle valait. C'était une personne honorable et une personne qui manquera à l'ordre. J'ai découvert que c'était une très très bonne personne. Quelqu'un qui allait beaucoup nous manquer. Une Jedi très efficace, aussi bien au sabre laser que dans sa pédagogie ou dans sa philosophie. Un comportement irréprochable. Mais c'est toujours triste de voir une Jedi aussi compétente rejoindre la force ainsi. La maîtresse Loïse, quelque part, est toujours là. Elle est là en ombre Bernadette, en le chevalier Sith, Félix, laissant une marque de détermination, et non le chagrin. Usons du courage dont elle a fait preuve pour aller de l'avant, en défendant toujours les mêmes convictions. La paix, la liberté, une vie paisible pour tous. J'aimerais dire que la maîtresse Loïse, c'était la meilleure ombre qui soit, la personne la plus parfaite qui soit, mais ce n'est pas le cas. Car personne ne peut être la perfection. La maîtresse Loïse était dotée d'un sérieux inimaginable et était bourrée de talent. Elle avait aussi des compétences hors normes. Elle était l'exemple même et parfaite, je pense, d'une véritable ombre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ombre Bernadette. Je la considérais comme la meilleure des Jedi. Elle était sérieuse dans toutes les situations, faisait passer l'ordre avant toute chose. Et c'est une personne, je pense, la plus respectable d'entre nous. Et elle m'a promis beaucoup de choses. Notamment lorsque j'ai changé de spécialisation,
J'ai voulu passer ombre grâce à elle. Cependant, lorsqu'elle m'a promis que, quand je serai ombre, un duel à la The Sky pour me former, et elle était déjà partie. Nous sommes là pour te dire un dernier adieu et te rendre un dernier hommage. Tu es parti avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. J'ai connu aussi Louise, débutante. Je l'ai vu progresser dans l'ordre, comme la plupart des gens qui sont ici. J'ai souvent croisé Louise pour des batailles, des soins ou des négociations. N'oubliez pas que les Républicains travaillent avec nous et que eux aussi ont perdu beaucoup d'hommes et de femmes. Moi, ce que je veux me rappeler de Louise, ça va vous paraître un peu anachronique, un peu bizarre, c'est qu'un jour on a fait une très grosse récolte de plantes et que pour faire cette récolte, j'ai été aidé par plusieurs personnes. Tout seul, je n'aurais pas pu récupérer autant de ces plantes qui nous servent tous les jours à vous soigner ou à vous guérir. La maîtresse Louise était parmi nous pour faire cette récolte. Le gardien Widorn, une grande érudite, et l'ombre Simayo. Je m'en rappelle encore, et je vais garder en mémoire plutôt ce souvenir-là que les batailles. Alors, si le malotru que je suis aujourd'hui arrive à la fin, toujours en retard, le conseiller Jedi le plus irrespectueux, qui a pourtant tant partagé avec son maître Jedi, avec qui j'ai rempli de nombreuses missions, à qui j'ai beaucoup appris et de qui j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je vois devant moi ces différentes affaires et le petit rigolo que je suis d'habitude, celui avec qui on peut discuter, celui avec qui on peut parler de tout, se trouve bien silencieux. Nous voyons une de nos Jedi qui a tant servi, qui nous a tant offert à nous tous, qui part enfin en paix. Que ce soit de manière juste ou pas, elle est finalement délivrée de toutes ces horreurs qui sont commises. Que ce soit par nous, car oui, nous combattons également, nous commettons des horreurs. Ou que ce soit par l'Empire Sith que nous combattons. Ou ceux qui ont encore osé porter leur casque, ceux qui ont leur capuche. J'arrive à voir vos larmes, toutes vos larmes. Je vous aurais bien dit que la Force soit avec vous, mais... aujourd'hui, je préfère dire que la Force soit. À tout jamais.